Hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Aujourd'hui, on renoue avec les achats de maisons et de terrains à revendre. Je tiens d'abord à m'excuser pour la piètre qualité encore de cette vidéo, puisque mon enregistreur n'a pas enregistré tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire que comme le jeu a des périodes où il va charger et ramer, et bien pendant ce temps-là, mon enregistreur, lui, n'enregistre pas. Donc, en fait, ça fait des gros drops, comme vous avez déjà eu une autre fois, et j'en suis désolée. J'ai hésité à faire l'enregistrement avec OBS, mais je pense que là, je n'ai plus le choix. Sinon, bah, c'est fini, super, quoi. Il n'y aura plus rien. Donc, c'est un peu dommage. Après, c'est après compréhensible, plus ou moins. Je vais essayer de faire au mieux pour améliorer le rendu de cet épisode, mais voyez que là, ça drop déjà et tout ça. Donc. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Déjà, le jeu rame pour jouer, c'est chiant. Et le rendement en enregistrement est pire. Donc, ouais, j'en suis désolée. Moi, voilà, je vais essayer de faire au mieux pour améliorer cet épisode. Donc, bon courage et merci! Il nous reste tout ça à acheter et à vendre. Ça fait 9 terrains. Donc, possibilité d'avoir 9 épisodes fois 2 puisque je ne peux pas tout faire en une fois. C'est long. Donc on va dire 18. Encore 18 semaines de House Flipper et peut-être que ce sera fini. En tout cas, c'est pour l'instant, voilà, c'est un guess, hein, on ne sait pas. Alors, et là, c'est un jardin que je vais acheter. C'est pas une maison. Donc ça vient avec l'Adon Garden. Un achat idéal pour des personnes âgées qui aiment le jardinage. Sur la parcelle, il se trouve seulement une petite maison qui peut être très bien utilisé en tant qu'endroit de stockage. Leur place est à créer un jardin. Alors, nous avons ça comme baraque. Mais. Et on a un énorme jardin à déblayer, à nettoyer, tout ça. On a la moto. On va du coup. Bah, c'est. On va acheter une maison, oui, mais bon, je suis pas sûre que la maison vaille vraiment le coup. Donc, on y va. On va l'acheter. Et bien sûr, on va y aller tout de suite. Oh, concours de jardin. Pour augmenter la valeur de la maison, vous pouvez participer à l'un des concours de jardinage. Après avoir appuyé sur Entrée, sélectionnez le type de jardin que vous souhaitez évaluer. Ok, ah bah d'accord, hein, on a droit à être américain, on a le droit à être anglish, moderne, et tout ça. Ah bah c'est intéressant, ça c'est intéressant. On verra bien. Parce que là, je n'ai aucune idée. On va déjà voir le terrain. Et puis après, peut-être que je me dirigerai vers un type spécial de jardin. Mais ça, je ne sais pas encore. Attention, une taupe s'est installée dans les parages. Non, mais bon sang. Utilisez une pelle pour enlever toutes les taupinières. Mais attention, la taupe est maligne. Et on fera des nouvelles si vous ne la trouvez pas. Bonne chance. Ah ouais, d'accord. Donc on doit faire la chasse aussi à la taupe. Ok, très bien. Très bien. Bah pourquoi pas, après tout. J'adore, les arbres, ils sont trop jolis. Et en plus, on peut les couper. Mais. Ah! Oh! D'accord. Alors, ça, c'est notre maisonnette. Hein? On est d'accord. Mais c'est minuit. Ouais, non, mais là, on peut rien faire, en fait, dans cette baraque. Il n'y a même pas la place de faire une salle de bain. J'aurais pensé, imagine, au moins mettre un minimum, quoi. Ah ouais, c'est vraiment un espace de stockage. Ça sert vraiment à rien. Oh là là, toutes les palettes. Toutes les Palestines. Aïe 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 aïe. Oui aïe 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 aïe. Eh bien, il va falloir aménager tout ce machin. Il y a 1423 mètres carrés, les enfants. Je sais pas si vous arrivez à quantifier le taf, quoi. En plus, comme j'ai pas fait de jardin à proprement parler. Ah ouais, on commence à débarrasser, hein, les enfants, parce que bon, il faut bien y passer. Je vais pas trop parler parce que si mon enregistrement foire, au moins j'entendrai tout ce que je dis, c'est-à-dire bah rien. Je sais pas, c'est le jeu aussi qui m'a l'air d'être un peu juste en même temps avec la donne. Je pense que mon PC il est pas très content, quoi. C'est un très bon PC, mais je sais pas, j'ai plein de soucis dernièrement. C'est un peu l'angoisse. Je sais que les mails. Les lives House Flipper sont possibles. Pourquoi pas faire du live House Flipper? Parce que l'épisode de la semaine dernière, c'était un live inopiné, puisque je n'avais pas eu le temps d'enregistrer.
Si c'est ça. Attendez, ramasser la pelle. Elle est où la pelle? Détruire. H. Ah mais non, il faut que je fasse E. Mais oui. C'est ça. Faut que je fasse quoi du coup les... Oh la vache, j'ai trop eu peur quoi, vraiment hein, je sais pas du suracting là. Ben, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, enfin je sais pas, ils avaient montré dans de l'herbe, moi je m'attendais à ce qu'elle soit dans de l'herbe. Oh vache. Cette crise cardiaque, je suis désolée si je vous ai fait... Je m'y attendais trop pas. C'est horrible! C'est pas bien de nous faire ça au sweeper! Oh non! C'est pas bien! Je suis choquée! Allez! Il y a un défi carton de pizza, les enfants! Hein, j'ai pas fait pause, tout ça! Mais voilà, je vous le dis maintenant, donc ça veut dire qu'il faut que vous retourniez en arrière pour compter. Vraiment un truc de dépravé, quoi, hein, là. Un truc de dépravé. Avec ce truc, je veux dire, entre les bouteilles tout... Oh, les petits... Les petits ordures. Mais elles sont mignonnes, les ordures. Finesse, je ne veux pas tondre tout ça. Je ne veux pas tondre. C'est l'horreur, la tondeuse, les enfants. Oh. Vous imaginez même pas. Moi, je déteste faire la tondeuse. Hein. C'est un... Et encore, non, parce que c'est la débroussailleuse qu'on a. On n'a pas de la tondeuse. Ils viennent de l'annonce Twitter qui vont bientôt la mettre dans le jeu. Et elle fera des allées plus grosses et tout. Il sera beaucoup plus simple, je pense, de tondre avec la tondeuse que la débroussailleuse qui fait mal au crâne, et qui est longue, qui est fastidieuse. Donc voilà. J'ai pas envie de faire le jardin. Moi, je vous le dis direct. Mais bon. C'est la mission, ma pauvre Lucette. Tu fais pas le jeu, t'es pas contente. Ah, tu sais, tous les ordures qu'il y a, mais laisse tomber. En fait, je clique un peu au pif, là, et regardez, ça enlève tout. Hein. Ouais, je suis Shirley Enterprise, chasseuse d'ordures, quoi. Après ça, je risque de faire tout ramer, donc il faut que je me calme. L'enregistrement a l'air de fonctionner. Si ça coupe, si vous m'entendez en haché, je suis tellement désolée. Mais vraiment, je peux pas, voilà. Avec OBS, c'est un peu plus complexe. Alors que ce logiciel-là que j'enregistre avec, je le connais bien. Non, j'ai pas envie de couper les arbres. Pourquoi je couperais les arbres? Il y en a encore là. Je continue à cliquer comme une cliqueuse folle et pourtant ça fonctionne. Hein. Ouais, ça marche bien. J'ai tellement hâte qu'ils mettent la tondeuse. J'ai pas envie de faire, je vous jure, c'est horrible. En fait, c'est même pas prendre plaisir au jeu et c'est ça qui est dommage parce que le but aussi de dans un jeu, c'est de prendre plaisir à y jouer, mais faire la débroussailleuse, c'est un peu l'enfer, quoi. Dites-moi dans les coms si vous êtes un peu pareil, si la débroussailleuse vous file des boutons, parce que... Moi, c'est le cas. Et je clique. Ah, il y en a ici. Mais ouais, ça peut être sympa à l'ombre des petits arbres comme ça de se poser. Bon, lui, il m'a l'air un peu malade hein, quand même. Mais c'est sympa, vous voyez, ça à l'ombre et tout. Non, moi, je n'ai pas forcément envie de couper les arbres. C'est les mêmes acheteurs que d'hab, d'ailleurs. Je viens de jeter un oeil parce que j'avais pas encore regardé.
C'est les mêmes acheteurs que d'hab. C'est sûr que notre famille, hein, méga grande famille que j'ai jamais réussi à leur vendre de maison, là ils vont pas acheter ici quoi. Je vois pas l'intérêt d'acheter un truc. Bah, j'aurais bien aimé faire une habitation, mais bon, vous avez vu le réduit là, c'est même pas une maison, c'est un réduit le bazar. Ah! Ça c'est l'allée. Oui, ça y est, on a fait le tour, hein, les enfants. Pas, non, il en reste encore là. Les orties! Faire de la soupe! Et surtout, je vais devoir me creuser tellement la tête pour savoir quoi faire avec ce jardin. Après, apparemment, s'il faut que je trouve un style de jardin à faire, je sais pas quoi, là. Alors là, il y en a. Ouais, je me repère à la minimap maintenant. Et genre, là-bas, il y en a. Hop. Ouais, ils sont cachés dans les autres herbes. La droite, bon. Ok. Je clique un peu partout. J'en ai vu. Hop. Hop. Ok. Ici. Là, il y en a plein. Vivement la tondeuse magique. Parce que là, j'ai vite. Je vais vite m'énerver. Surtout que je pourrais les tondre. En fait, je sais qu'avec la débroussailleuse, on peut enlever les trucs et tout. Le problème, c'est qu'il faut repasser genre deux fois. Il faut bien les viser et tout. Donc, c'est pas mieux. Au final, c'est déjà assez un enfer la débroussailleuse. Donc, bon, là, s'il y en a que j'oublie, j'en ai que j'oublie. Hein. Je vais pas commencer à faire la chasse aux sorcières des orties. Hein. Il y en a tellement. Je dirais que je suis en train de dégainer à la mitrailleuse, quoi. Bon, il y en a plein par là. Ouais. Ok. Juste derrière. Ok. Allez, on va commencer à vendre ces deux. Oh, la chaise magique qui vole, on est d'accord. Ah, on va ramasser à la pelle. C'est pas les feuilles mortes hein, qu'on ramasse à la pelle, c'est le tas de gravier qu'on ramasse à la pelle. Vont me rappeler de ma jeunesse. Je ne connais pas la chanson. Faut que je m'approche un peu. Vas-y Jean-Pierre, vas-y creuse. Hop. Et le dernier. Ça m'a tout débarrassé ici, nickel. C'est vraiment en fait c'est tellement grand que moi au niveau de la. Oh, il y a des bouteilles qui étaient cachées. Que voilà, en même temps il faudra que je visite et que je viole le nouveau mode garden, quoi, parce que sinon moi je connais pas. Hein. J'ai vraiment visité, mais. Peut-être pas assez avec l'émission, alors que je trouvais qu'avec le mode maison normal, j'avais plus vu les meubles. En même temps, j'avais fait beaucoup de maisons entre-temps, alors que là, au niveau jardin, j'ai fait zéro jardin et j'ai fait que l'émission. Donc forcément, ça me. Dans un sens, comment dire. Bah, j'ai moins visité. En fait, il y a plein de trucs que je ne sais pas qui ce qu'il y a, en fait. Et c'est ça qui m'embête. Mais bon, ça me permettra de le voir, mais j'ai l'impression que je vais. Il y en a beaucoup. Peut-être trop. J'ai l'impression que mon enregistrement est bien suivi, donc c'est un bonheur. Sinon, c'est pas très très grave. J'ai pas envie de tondre, bon sang, j'ai pas envie. Moi, je vous le dis direct, hein. Nettoyer. Oh, il y a des. Même des traces de pas. Loul! Des traces de pas. Eh, mais j'avais arrêté de faire aller le machin. Et dans la maison. Ah, c'est trop drôle! Regardez dehors. J'ai ça, je veux rentrer. Pouf, ça se transforme en lavette. Mon super balai, mais ça faisait tellement longtemps. Comment tu vas? Est-ce que t'es toujours aussi formidable? Ah, la formidabilité de mon balai, de. Ah,
Les super palais de l'extrême. Ah, on est content. On est content. Les orbes, tout ça. On débarrasse tout. Et puis on va vendre ce qui est là parce que bon, ça va pas nous servir, hein. Bah ouais, j'aurais fait comme un mini appart en fait, ça aurait été cool. Mais là, c'est beaucoup trop minuscule en fait. C'est trop triste. Tiens. Une maison sans chambre, c'est pas possible. Comment ça sans lit? Nana, vous voyez, eux, ils veulent une maison en fait. Ils ont pas capté qu'on était pas dans le bon. Là, on est dans le jardin, messieurs, hein. Ma mission, c'est de faire un jardin, hein. Je vais nettoyer les tags aussi. Une maison bien propre, c'est une maison sans tag. Ok. Il y avait un caca sur la maison, je sais plus où. Là. On sait que ça nettoie. Ouais, avec le, avec le. Avec ça, ça fonctionne. Ça va mieux les petits arbres? Il y a des tags là-bas. J'ai tellement pas envie de tondre, vous imaginez pas quoi. Oh, mais regardez-moi le chantier. Après c'est joli, hein. Moi je limite, je laisserai ça comme ça, hein. Je ferai une terrasse genre là. Vraiment, terrasse là, avec piscine, enfin tout. Et le reste, je le laisse en jachère, hein. Non mais au bout d'un moment. C'est plus possible, il y a trop de. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça, je le vire. Celui-ci aussi. Ça aussi, hein, on va pas. Ça, attendez. On est de retour sur les orties. C'est marrant, vous voyez, c'est vraiment un jardin. Il n'y a plus les maisons en face et tout. Bon, bah écoutez, moi je vais tondre cette horreur et on se revoit après. J'en peux plus. Bon, jusque là, c'est propre, hein. Bon, il reste quand même des trucs. Oh, j'en ai marre. C'est trop long. Puis quand on commence, on a envie de faire tout le reste. Aidez-moi! Non mais sérieux. Et puis le jeu qui foire et tout, j'en ai marre. Oh. Voilà, moi je vais faire ça.
Et je reste là-dedans et je dors. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Non, je plaisante. Non, sérieux, c'est trop chiant. En même temps, là, j'ai que ça à faire, tondre et aménager, quoi. Voilà. Et j'ai pas compris, c'était quoi le truc du jardin? Décoration de maison, loisirs, plantes, architecture. Ah ouais, regardez. Il y a quand même des trucs super mignons comme un pont. C'est trop chou, ça, vous voyez? C'est trop cute. On peut faire des trucs vraiment mignons, mais il faut avoir l'inspi, quoi. Faut avoir l'inspi. J'ai pas compris leur truc du concours de jardin. Oh, c'est trop joli. C'est beaucoup trop mignon. Je pense qu'il y aura ce genre de truc, hein, dans mon jardin. Je me pense c'est bien. C'est beaucoup trop kiki. Ah ouais. Eh oh. Mais bon. Est-ce que je vous inflige encore en accéléré la tondeuse? Je ne pense pas. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vous laisse vraiment eh ben, profiter de cette belle, belle petite maison. Moi, je trouve ça cute, hein. Peut-être que eux, ils ont envie qu'on coupe les arbres, mais mes acheteurs. Mais moi, honnêtement, je trouve ça trop chouchou. Voilà, enfin, l'allée, on passe en dessous, c'est agréable et tout. Il n'y a rien qui menace la maison oh là là. Oh! Ah, oh, la ligne électrique avec le truc là. Ah bah oui, bah c'est sympa. Bon, ça c'est peut-être un peu quand même. Ça c'est le poteau. Pourquoi on a un poteau? C'est bien. Non, c'est un arbre. Fait, on peut couper l'arbre, mais ça c'est. Ah non! Non, non, c'est pas un arbre, c'est bien un poteau. Mais sauf que, bah, comme dans les Sims, on a le truc qui passe au travers. Ouais, donc peut-être celui-ci quand même. Parce qu'ils sont dans les fils électriques, donc c'est pour GG. Hein? Plus, ils ont un peu un truc bizarre là. Bon, allez, on va couper. Au moins, vous serez pas venus pour rien sur cette vidéo. On va couper l'arbre. Voilà, on va le faire tomber encore plus sur le poteau. Voilà, donc c'était bien, il était dans le poteau électrique. Ok. Donc, lequel des deux là est dans les fils? Bah, aucun. Alors, je les laisse. Voilà, moi ça va être comme ça. Et il y en a un des deux là qui est dans les fils, donc c'est celui-ci. Ce moi, bon, abattre les arbres, honnêtement. C'est pas trop mon kiff, hein. Au revoir, petit arbre magique. Ah, mais ils sont plusieurs, hein. Ouais, il y a celui-là. Parce que bon, ça peut être dangereux. Voilà, on va dire ça. Oh, le bruit. Et du coup, le reste, ça passe. Voilà. On va dire qu'on va s'arrêter là pour l'abattage d'arbres. Ça n'est pas beaucoup, mais vraiment, je trouve ça cute, moi. Et puis là, ils me font pas de commentaires, donc c'est que ça les dérange pas d'avoir autant d'arbres non plus. Et puis, bah, ça va être à moi de faire le taf et de vous faire visiter le futur jardin. J'ai franchement. Ça va être complexe, mais bon. Si je commence par mettre ci de là un petit kiosque, une piscine, une espèce de terrasse avec. Non, je pense que ça va le faire, mais ça va être peut-être très nature, je sais pas du tout. En tout cas, on verra bien. Souhaitez-moi bon courage pour l'aménagement de ce jardin. Moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé. J'espère que ce petit épisode et le retour des maisons et des terrains à acheter, eh ben, vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous. Et n'hésitez pas à regarder une petite pub sur YouTube aussi, c'est dans la description. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis des bisous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super ou d'autres choses. Salut!